Bonjour à tous et à toutes ces vitesses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon petit custom bureau pour pouvoir installer correctement mon micro Blue Yeti sur mon bureau Malm de chez Ikea, puisque le problème c'est qu'on ne peut pas installer de micro comme ceci à part si on le met au milieu, mais pour ma part je voulais qu'il soit à gauche et j'ai réussi, donc j'ai installé simplement des trucs comme ceci. Alors j'ai acheté ça à Ikea, ce sont des StubBarp, voilà, ça coûte 5€. Et j'ai également acheté des petites équerres et en dessous, on peut voir ici des tiges, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Ça c'était acheté pareil à Castorama par contre, voilà, ça m'a coûté une dizaine d'euros pour faire ce petit custom. Alors c'est simple, en fait derrière il y a deux tiges droites, en dessous il y a deux tiges droites et sur le côté il y a deux tiges en angle droit. A savoir que ces pieds StubBarp, en fait, ce sont des pieds d'extension pour meubles télé. Hein, voilà, donc pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Mais je m'en suis servi pour faire ceci. Donc, le petit défaut, c'est que ça peut paraître légèrement pas droit. Vous voyez ici, je ne sais pas si on va voir, voilà, là, c'est légèrement plus haut. Et là, c'est légèrement plus bas. Bah, c'est tout simplement à cause du poids du micro. Puisque si je le tourne, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, vous avez vu, maintenant, c'est l'inverse. Là, c'est plus bas. Et là, c'est légèrement plus haut. Donc c'est tout simplement à cause du micro qui tourne. Puisque moi, je voulais le mettre ici, parce que normalement, il était au milieu, là-bas. Voilà, où il y a tous les câbles. Et c'est pas du tout un endroit adapté pour moi l'installation. Et étant donné que je tourne assez souvent, en tout cas, je tourne quelques fois des vidéos dans ce coin-là, j'avais besoin de pouvoir mettre le micro, voilà, comme ceci. Plus ou moins accessible dans cette zone. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment l'avoir à gauche comme pour mon ancien bureau. Bien bah c'est chose faite. Après voilà, c'est vraiment très très pratique. Moi évidemment faut pas non plus le tourner tous les jours, hein. La plupart du temps il est dans cette position là, voilà, 90% du temps c'est comme ceci quand je fais mes vidéos. Bah, au pire je le rapproche de l'écran et puis voilà. Mais après voilà, ça reste quelque chose d'assez simple, c'est pas très compliqué à faire. Là, ça a été collé, enfin les deux pieds ont été collés, j'ai mis des vis, enfin des pattes de renfort. Et après, évidemment, j'ai simplement percé quelques trous dans le bureau. Donc il y a quatre trous, deux ici et de l'autre côté, pareil, deux là. Bon, c'est ces quatre petits trous qui n'ont pas, qui vont pas non plus endommager le PC, puisque normalement, voilà, ici, j'aurais voulu le mettre là, mais bah, je ne peux pas à cause de ceci. Alors sinon, j'aurais dû faire... percer carrément un trou à la scie, mais bon, ça c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo rapide pour vous montrer comment j'ai fait un petit custom de bureau pour pouvoir installer mon micro. Si d'autres personnes sont à peu près dans le même cas que moi, c'est vrai que j'ai quand même eu vachement de mal à trouver des vidéos montrant ce genre de choses, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire la mienne, tout simplement. Et bien en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.